Bonjour peuple congolais, bonjour bande konyoso balandara biso internaute na biso ya kati ya basanga Congo, Rimé de Kinshasa partout na monde. Peuple congolais de père et de mère partout bisika nyoso bozali. Nzambe abate la bino, nzambe pambo la bino, na ba soutien na bino goyaka na ngwepa na biso na ba remarque, ba suggestion, ba conseil pour ça la capote communication na biso comme na perfection et atteindre niveau ya congolais nyoso. Quelle que soit compréhension, tu es bien malam ou été, tu as un problème très sérieux avec ba M23. Lelo, tongo lelo, na kacha rime de Kinshasa, tu es tout solo la nabino, ce que Fati a obtenu, na kacha makambo, na kacha tripartite, ou isalemi, entre Paul Kagame, na Félix Tshisekedi, sous la médiation de Lorenzo. Dossier, c'est là qu'il y a makambo ba M23. Na bengi ba mama ba papa ba comprendre parce que zo monde a monde ya politique ya Congo diabolisation ezala katro ba tu ba ko ko ndi mate be fort fourni par le président Félix Tshisekedi to ko biso to yaka na ba preuve palpable et tangible de to conscientiser ka ba mama na biso ba papa na biso ba leki bandeko ba noko o balanda ka biso o basala na souci ya mboka na biso e kende liboso à travers régime ya président Félix Tshisekedi. Bola na makambu malamu na lingi na ye bisabino na tonga lelo. Pour mutebila zolo ba trop de dialogue ba tebele ba zo comprendre te. Pourquoi Félix a kiko solo la na ye ba tout so ba zo comprendre te. Ne yamwa zo mouni e pousse biso tongo tongo to la muka. Tu explique bandeko. C'est que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Lombo a obtenu assez dialogue de tripartite entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous la médiation du président angolais Lorenzo. Mais là qu'on a yé pour na kotali sabino. Toko frappé to kangi ba militaire rwandais muta ko condamné azate. Toko frappé to ko condamné boy muta ko condamné azate. Toko kanga ba misba arme ba matériel militaire o ba rwandais ba salelaka na maboka M23. Gouvernement congolais ko dénoncé Kagame wanga. Mais il y a un mot qui a été mis pour ce tongo tongo na yana tel sa peuple congolais. Ce que a obtenu le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a obtenu à ce dialogue de tripartite? Mais il y a un mot qui a été mis. Fatia Bossa la déclaration. Nous sommes attaqués, ce ne sont plus des M23. Mais ce sont des Rwandais. Ce n'est pas la rébellion, c'est l'agression. Paul Kagame lui dit non, 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 non. C'est Tshisekedi qui soutient les FDLR. Voilà Paul Kagame à Batami. Non, ce n'est pas moi. Moi, je cherche les FDLR. Les FDLR, ce sont des réfugiés rwandais qui habitent au Congo. Oh, bah, ça n'a un jour objectif à renverser le pouvoir. Je cherche les FDLR. Ah, tu cherches les FDLR. Mais on a le lot de ce tel sa peuple congolais. C'est que le président Félix Tshisekedi a obtenu. Et bande, bande, qu'on a partout, Boza. Peuple congolais de père et de mère. Bisika nyoso bino boza. En tout cas na kosenga bo beta maboko makasi pe bo continuer ba prière na bino. Bo continuer na ba prière na bino. Oyo président Félix Tshisekedi a obtenir na Rwanda. C'est une bénédiction, ce sont des résolutions inattendues. Oh ba tu sakana na président na biso, oh ba politicien ba loba n'importe quoi. Mais Félix Tshisekedi a bimisi ba résolution inattendue na kacha tripartite. Batu mususu ba sala bosoto. Batu mususu ba créer une sécurité. Ba gené ba colonel Mamadou Ndala. Ba Moussa Mabé. Mais majorité ba commandant ba za kokenera est. Ba o ba saki misbi patriotique. Ba za ki ba boma bango parce que guerre ngo za ki na complicité na gouvernement na régime régime passé. Régime Kabila za ki na complicité ya makamba guerre est. Il y a un moment où on a un commandant, on va dire qu'il y a un parti est, dans le moment où il y a un président de la République, dès que vous avez un combat, il y a un M23, ce qui a profité de Kangi, il y a un problème. Donc ce sont des résolutions inattendues, que personne n'a pas dit qu'il y a un président Félix Tshisekedi a pas arraché à Mbongo. Mais le président Félix Tshisekedi a joué à Mbongo. Pour être tout comme on a 4, il n'y en a que 4. 4 résolutions. Le président Félix Tshisekedi a arraché la maboko ya Kagame. 4 résolutions. Mais il y a un mot. Il y a un mot.
na ba résolution na telle sa peuple congolais na lingi na tout na peuple congolais bande ko bino bolanda ka biso boyo ka makambo oyo Macky Sall alobi na makambo eleki kuna déclaration Macky Sall ya mote na pesa ba résolution na zana likambo na lingi na dévoiler na bimisa na bande ko na biso ba congolais o Macky Sall alobi yo ka Macky Sall je salue les résultats du dialogue tenu ce jour à Luanda entre le président Paul Kagame et son homologue Tshisekedi avec la médiation du président João Lourenço de l'Angola. Je félicite et encourage toutes les parties à poursuivre leurs efforts sur la voie de la paix. Donc, en d'autres termes, vraiment merci. Nous le pensons bien sûr, président Félix Tshisekedi. En d'autres termes, quand Macky Sall fait cette déclaration, ça signifie que même l'Union africaine, ça signifie que même la communauté internationale a confirmé que nous ne sommes pas attaqués par la M23, mais ce sont des Rwandais. Donc Paul Kagame a joué le rôle du représentant du M23. Donc c'est-à-dire, pour que ma M23 batika Mandouki, et Sengeli Paul Kagame a yébisabango batika. C'est ça, cela veut dire. En lisant clairement l'écriture, la déclaration du président Macky Sall, c'est clair, tout le monde connaît bien maintenant officiellement. Ah oui, ça sous ma cambo officieusement, et ça ma cambo sous en coulisses, et ça ma cambo ça officiel. Au président Félix Tshisekedi a botoli a signé ce Kagame n'a accord, ou Kagame a accepté que oui, par rapport à ma oyo M23 basan soutien aye. Tala président a dit ça, tala ma cambo zo ça. Donc, on a dit tout oyo, à ta guerre s'est clenchée, à ta guerre bimi entre le Congo et le Rwanda. Rwanda n'est à Rosala fautif parce qu'il y a un accord signé. On a prouvé que c'est Rwanda qui soutient le M23. Preuve à l'appui. Le monde dit déclaration, Macky Sall n'est pas atteint le bino. Donc, bandimi, pour chercher la paix, il faut le Rwanda. En attendant, il y a beaucoup de Rwandais, Rwanda, à son Wangana, à son Bakinatin dans la militarité. Mais pour avoir la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo, il faut le Rwanda. Ah, quelle diplomatie! Quelle diplomatie! Quelle intelligence! Quelle sagesse! Et c'est là qu'il y a battu le rôle de président Félix Tshisekedi, va diriger Mbokao. Peut-être que Congo qui est délibéré. Et tant que c'est Félix Tshisekedi qui devrait être président. Quelle intelligence! Quelle sagesse! Pour avoir retiré Bakoro. Moutoua Wangana Bamboula na Bamboula. Moutoua sala ba déclaration na kata ba conseil à sécurité. Que makamba ba congolais talingaite. Makamba Congo et talingate. Nanaza président Congo te. Nanaza président Rwanda. Ba ben na ba conseil à sécurité ba tuna pour Kagame Rwangana. Mais nelo. Moutou obino goza ko finga. Tshisekedi da lingo voyage mingi. Tala makamba sinese pour Kagame. C'est que Félix Tshisekedi a obtenu. Les quatre éléments très importants que le président Félix Tshisekedi a obtenu face à Paul Kagame. Un, ton coach Chico, ton bandit aussi, parce que les autres, il y a qui tous allaient vraiment bref, Nabino, pour être politique et tic à Bino, tout beau comprendre. Quelle est la vision du chef de l'État? Première résolution. Maintenant, comme il faut tanga, comme il faut citer, Makambo au président Félix Tshisekedi a botoli na Paul Kagame. Makambo au président Félix Tshisekedi a ndimisi Paul Kagame. Oh, des années, des décennies, Kagame a zavon dimate. Mais bah, tout est nafati. Stratège, diplomate, l'homme intelligent, l'homme intègre, tala Makambo sinese. Voici maintenant en quelques lignes ce que Beto a obtenu au sommet tripartite de Luanda face à Paul Kagame. Un, premier élément au président Félix Tshisekedi à obtenir. La reconnaissance par le Rwanda, le soutien au M23. Donc c'est-à-dire, Bakoro va signer. Au Félix Tshisekedi a gagné. Et loko ya liboso. Reconnaissance par le Rwanda à travers leur président qui était là au sommet tripartite que le Rwanda soutient financièrement, matériellement, psychologiquement, spirituellement les M23. Première.
Donc c'est-à-dire Rwanda reconnaître andimi ba maman na ba papa bandeko. Na quatre résolutions ba pesi ya liboso Rwanda andimi. Alobi oui. Bisonde to soutenaka M23. Bisonde to tindaka ba militaire. Bisonde to formaka ba militaire. Bisonde Rwanda to pesaka mbongo. Bisonde Rwanda to formaka bango. Bisonde Rwanda to somaka beteni. Bisonde Rwanda to za hauteur ya ba massacre oba M23 basalaka. La reconnaissance. Paul Kagame a reconnu ça. Na yebite soki okoza la mutalo lenge nini po comprendre makambo na yibite na kuexpliquer ngona munoko nini na kolobela ngo ndenge nini po kongola comprendre la reconnaissance d'abord na zo insister sur la reconnaissance parce que Paul Kagame wangana Paul Kagame boya Paul Kagame a utilisé quelques congolais inconscients batika bango lokola ba chef ya ba RCD batika bango lokola ba chef ba M23 batika bango lokola ba chef ya ba rebelle bazu congolais mo ba imposer bango pote et ça la face ya monde que ce n'est pas une agression mais c'est une rébellion mais lelo face ya mukwa Antombolo face à président Félix Tshisekedi reconnaissance Rwanda andimi la reconnaissance là andimi de oui nous soutenons les M23. Oui. To pesa bango mbongo, to pesa bango nyoso. C'est très important. Nakoya ko conclure ne loko reka na point e oyo, reconnaissance. Et loko ya mibale président de la République azo. Parce que na bige ya 4 éléments au président Félix Tshisekedi d'arrêter azo na nini wana. Ya liboso na lobe bino reconnaissance. Ya mibale le retrait immédiat et sa condition du mouvement terroriste M23 de ses positions. Le retrait immédiat. Tant que Paul Kagame a reconnaître que yende muta forma kaba militaire à M23. Yende muta finance kabango. Yende muta yaka na bateni. Ba arme uta kana Rwanda. Bango de M23 de eza ya Paul Kagame na ba Rwande. Paul Kagame a dit mais on est président Félix Tshisekedi imposé. Deuxième élément, retrait, Kagame a signé. Que toujours retiré, ma militaire n'a mis sur la M23. Immédiatement, sa condition, président, nous sommes la condition, parce que de ma débit, peut-être Paul Kagame a retiré ma militaire, a fait sa condition, bon, peut-être que la FDLR, Boye, tu signes un accord, Paul Kagame a fait un accord, il a fait un accord, il a fait un accord, en 1997, il a habité ma papa, ma maman, ceux qui ont une idée. Pourquoi président Félix Tshisekedi a imposé à l'obique retrait de vos troupes du fait que vous avez reconnu la première résolution que binonde bo soutenaka M23 za bino yami balé bo retirer bango sa condition parce que vous reconnaître déjà que yonde muto au sala M23 yonde muto soutenaka bango yami balé bo retirer rapide pourquoi président Félix Tshisekedi a l'obique sa condition retrait na bango ezala sa condition parce que au préalable na ba dialogue uti koleka Paul Kagame ça coupe ça ma condition. Tu appliquer ma kamba Afden, tu appliquer ma kamba Corée en 2013 au Basimé na Kabila. Ya koteka une partie à 300 km² à Mabele na biso. Bateka e bape sa bango, aza coupe ça ma condition. Eza mo konza mboka na bino, Laurent Désiré Kabila sinaki, eza mo konza mboka na bino, nani Joseph Kabila pe sinaki, eza Mabele na bino, bo respecter Corée Afdel. Mais Félix Tshisekedi ki par militaire ou en abalongo sans condition. Wana deuxième, le retrait. Deuxième élément. Le retrait immédiat et sans condition du mouvement terroriste M23 de ses positions. Trois. Le retour des réfugiés dans leur pays d'origine. Le retour des réfugiés. C'est que le président Félix a obtenu. C'est-à-dire, les réfugiés ne sont pas contents de Mboka na biso. Vous connaissez l'histoire. Tant que Mobutu a fondé la frontière, entré à Paul Kagame na pouvoir. Bon, vous n'êtes pas contents. Si l'élo babota, babota, basal, basekle. Avec intention, la basal, makamokuna na partie est. Mais l'élo, président Félix Tshisekedi a lobby bon. Moutou na moutou a zonga na Mboka na. Mutu na mboka nae
ba réfugiés ba kota na mboka na biso ba zonga na mboka na bango ba FDLR ba zonga na mboka na bango ba Rwanda ba zonga na mboka na bango d'origine Paul Kagame sini et quatrième résolution parce que tout le monde qui est en encore 4 quatrième résolution maintenant Ezali, exploitation des ressources naturelles doit se faire dans le strict respect de la souveraineté. Parce que Makambo Nyonso, il y a qu'on reconnaître ba M23, il y a qu'on retrait immédiatement ba mouvement na bango, il y a qu'on ça ba réfugié na bamboka na bango respectif. Ndé yango na yaki ko créer et que l'exploitation des ressources naturelles ya mboka na biso esa na balongi ya loengé. Sans respecter la réglementation, sans respecter les textes, sans respecter la souveraineté de l'État. Rwanda ko kota, azuba akena talaka ka bandeko ba yebi parti ya est na biso surtout na kota Goma. Vous mona vraiment que parc a virou les awana, mais ba leopard na biso, pa nyama na biso, Rwanda azo exploiter ango ba minerai, ba coltan, Rwanda azo exploiter sans même ko signer accord na autorité en place. Azo bimisango. Nyonso wana bazako djembe lango na sima ba M23, nyonso wana bazako djembe lango na sima ba réfugié ya FDLR nde ya wana presa pesa nani sans condition wana ya kotali sabango ke ba réfugié bazonga retrait ya ba M23 na ba position na bango immédiate et sans condition et Rwanda reconnaître M23 ezali cop na ye pour na konuire ba Congolais nde presa Félix Tshisekedi na suka nango na point 4 ya la résolution 4. Le président Félix Tshisekedi a expliqué à l'OBI l'exploitation des ressources naturelles doit se faire dans le strict respect de la souveraineté. Place Nini Félix Tshisekedi a sa intention à côté Kamboka. Bande on a politicien. Makambo aboy. Intelligence aboy. Sagesse aboy. Place Nini président Félix Tshisekedi. Boyo kike, azana makanisi, ifo ateka mboka, ifo asala makama mboka boye, mboke zo kende dako kufa, boye, chilombo ba voyage. Place nini awa, mutako bima. Alba ke preza Félix Tshisekedi asali mabe. Nous sommes agressés. Peut-être bandeko ba comprendre te impact ya makambo, biso to salele misona tongo. Impact na mwe zake, si il y aura l'affrontement militaire dans les jours à venir, Rwanda a déjà un accord. Donc accord au nous soit Afdel, ils ont dit que les sols, les sous-sols appartiennent à l'Afdel. Côté qu'à 300 km², il y a parti à Est Nabiso. Fallait essayer de Niango. A Boyango face à Kagame. Kagame peut assigner. Mais Yango ne pousse pas Paul Kagame. Bah créer Biso plus de 70 000 groupes armés. Namate, bah territoire Nabiso entre Sidi Kivu na Nord Kivu. Mais les deux Félix essayer de arracher. Communauté internationale témoin. L'Union européenne en témoin. L'Union africaine en témoin. Va comprendre les lots que les groupes armés ont fonctionné dans le Congo, c'est Kagame. Et Kagame a décidé de retirer les troupes. Kagame a reconnu les troupes d'abord. Kagame a décidé de retirer les troupes. Kagame a décidé d'exploiter les ressources naturelles à Congo sans respect de la souveraineté nationale. Voilà l'homme. Oh, Bissot Zakoluka. Voilà la volonté. Voilà vision ya chef de l'État pour un grand Congo. Mais on a repoussé bande de sur Congolais pour soutenir le président Félix Tshisekedi pour que na 2023 to pèse majorité. Pour que na 2023 to pèse à président Félix Tshisekedi majorité. To que na système ya ko kabolaka ba pouvoir te parce que ça constitutionnel. Mais to pèse à président Félix Tshisekedi majorité. Le peuple congolais le lot n'est pas reconnaître ma comme président Félix Tshisekedi dans ça. Quel est mon dernier audience à président Félix Tshisekedi de Mati malgré la diabolisation à Batou Bazaro ça. Tout ça, un moment cohésion nationale. Notre territoire est attaqué par les adversaires soutenus par nos pays voisins. Maintenant, il faut la cohésion nationale. Vous y a derrière président Félix Tshisekedi, vous pèsez majorité, vous pèsez ma député parce que ma vision président Félix Tshisekedi dans un après même 20 ans au pouvoir. Tu regretter jamais ou tout soit tu n'auras jamais la pensée ya Robin Malibanda Mboka parce que tout est ici au Congo. Que Dieu bénisse les présidents de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Pourquoi pas bande qu'on a staff technique ya Basangwa Congo. Tout le monde en a prochainement dès qu'il y a des émissions pour être tout
tout banda ko pesa bino non ba rumeur non ba fausse information ou ba mauvaise information mais des bonnes informations pour na sens et tout même congolais nous ne veille patriotique aïe ba c'est quoi le patriotisme aïe ba c'est quoi le nationalisme. Merci beaucoup de vous derrière la caméra tout monde à la prochaine. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Le service national de la RDC, une seconde chance pour les Kuluna. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, est en passe de réussir le plus difficile. La conversion des délinquants juvéniles appelés Kuluna en bâtisseurs de la République, Jean-Pierre Kassongo Kabwik a réalisé des avancées notables à la tête de ce service qu'il occupe depuis juillet 2018. Ce jeune délinquant, presque indomptable dans le rue de Kinshasa, a finalement été maîtrisé au centre pilote de Kanyama KCC. À ce jour, ils sont endoctrinés et formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour le pays. Au total, 2000 anciens Kuluna devenus aujourd'hui bâtisseurs ont perçu leur premier salaire après une période de 14 mois de formation dans plusieurs domaines, notamment la maçonnerie, la menuiserie et autres. Cette étape a concrétisé la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône une autre méthode plus humaine pour l'encadrement de ce jeune brigand urbain et leur réinsertion sociale. Cela à travers la formation pour servir de main-d'œuvre au profit de la République démocratique du Congo. Dans un long entretien accordé à Eshima Magazine, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik explique le retour 4 ans après de la production agricole à Kanyama KCC. Dans cette interview exclusive, le commandant du service national égrène les réalisations de cette structure qui revient d'une longue léthargie. Il évoque l'expérience des cantines militaires et policières et révèle que son service paramilitaire mettra bientôt ses cantines à la disposition du campus universitaire en faveur des étudiants. Focus. L'équipe Mwakadi fait exploser le compteur. La DGI dépasse 200% des recettes fiscales au mois d'avril 2022, soit le triple réalisé en avril 2021. Une performance historique jamais réalisée au sein de cette régie financière. À lire également, les phares d'essai progressent de 5 places au monde selon le classement établi par Global Fire Power. Analyse de l'état de siège décrété depuis un an dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Découvrez également plusieurs autres sujets à lire dans ce nouveau numéro. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.